souci. Je cherche la signification de l'expression française noyer le poisson. Noyer le poisson. Ça veut dire quoi? La signification en français. Noyer le poisson. Comment tu comprends ça? Explique-moi. Ah, moi vraiment, noyer le poisson, c'est-à-dire un poisson qui vit dans l'eau. Comment? Exactement. Qui n'est pas encore attrapé, quoi. Bon, ouais, c'est dans ce sens-là, vraiment. J'ai compris dans ce sens-là. Soyez encore plus clair. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre toujours. Alors, expliquez-moi encore plus facilement. Plus facilement. Noyer dans l'eau. Un poisson qui noie dans l'eau. Ouais, exactement. Un poisson qui. Vous savez que les poissons. Effectivement, les poissons, vraiment, eux, ils vivent dans l'eau. Vous savez que. Si vous disiez que. Un poisson qui noie dans l'eau, c'est-à-dire vraiment. Vous savez que le poisson. Ça, on sait beaucoup de choses. Hein. Nous cherchons la signification de l'expression française noyer le poisson. 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 Non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le poisson, il vit dans l'eau. Mais l'expression française existe. Ça existe. L'expression existe. Noyer le poisson. Et nous, on cherche la signification. Comment vous comprenez-vous? C'est vrai que naturellement vous dites qu'on ne peut pas noyer le poisson, mais est-ce que cela ne renvoie pas à une autre idée? Comment vous comprenez-vous? Je pense que c'est pas dans le sens propre, c'est dans le sens figuré. Alors dans le sens figuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va. Je sais pas trop. Réfléchissez, vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Je vois que vous. Non, arrêtez de sourire, qu'est-ce qui arrive? Paris? Parce que le mot, en fait, je vois pas pourquoi un poisson peut se noyer, quoi, en fait. Je sais pas, c'est dans le sens figuré, c'est sûr. Dans le sens, vous avez dit? Figuré. Figuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un français proprement dit, comme on peut dire que, voilà, je vais à la maison et puis je vais à la maison. Mais un poisson noyé, quand même, pour moi, c'est pas possible. Donc l'expression noyer le poisson n'existe pas pour vous? Je pense que ça n'existe pas, mais je pense que ça figure quelque chose d'autre qui n'est pas dans le sens. Dites-nous, ça veut dire quoi, vous? Bon, c'est vous qui venez de m'apprendre tout de suite que on peut dire que c'est. Le terme existe, quoi, en fait. Merci, mon gars, c'est gentil. En tout cas, bonne journée. Ah, moi, je cherche la signification de l'expression française noyer le poisson. Comment? Noyer le poisson. Noyer le poisson. L'expression française. Ah bon, je ne sais pas, franchement. Vous mangez le poisson et vous refusez de le noyer. Définissez à votre manière, comment vous comprenez. Non, sinon on va me rire. Non. Allez-y. Oh. Vous avez la signification. Laisse tomber, non, je n'ai pas la signification. Comment vous voulez que je laisse tomber? Non, si, laissez tomber. Bon, traduisez ça pour moi en Wolof, noyer le poisson. Noyer le poisson. Nous gardez ça. Merci, bon appétit. Mais ça vous fie, hein, c'est pas intéressant. Merci.